Ouh, mais pourquoi j'ai le son en double? Ah oui, d'accord. C'est bon. Salut tout le monde! Enfin, salut, tout seul. Il n'y a personne encore. Bon, ça va arriver tranquillos. Ah bah, je continue ma partie d'hier hein, sur CMS 2021. Je vais aller. Hop là. Je vais aller donc remonter ma Starline, la copie Wish de la Skyline de Nissan. Il me restait toute la partie carrosserie à faire. Donc, hier, avant la fin du live, j'avais tout désossé. En fait, en off. Ouais, en off ou avec vous? Non, j'étais en off, je crois. En off, j'ai refait les pièces dans l'atelier et j'ai emmené la machine en peinture juste pour voir ce qu'on pouvait lui donner. Et j'ai trouvé une peinture plutôt sympa. Je pense que je vais rester là-dessus. Je trouve que c'est assez classique. J'ai pas envie de la tuner parce que je pense que je vais la revendre. J'ai pas du tout envie de la garder. Ça me. C'est pas une bagnole qui m'intéresse. Autant je trouve que le Duster de 500 chevaux, il est bien typé, autant cette bagnole-là, on l'a vu, archi revue dans tous les jeux, elle est assez cliché en plus quand on la thune. Donc je vais la remonter comme ça. Elle est belle quand même. La peinture est vraiment belle. Bah on va la remettre sur le pont de toute façon, puisque là sans les roues, ça va être un peu compliqué d'aller sur la piste pour faire un essai. Je vais mettre un peu de son par contre, parce que j'adore les musiques de ce jeu. Allez, levons la bête. Bah on va se remettre en mode montage et c'est parti. Alors ouais, je vais regarder comme ça. Merde, non, la pompe ABS. Ouais, faudra que je refasse ça aussi. Faudra que j'y pense. Que j'y pense. C'est là le plus dur. Salut JB. Comment vas-tu? Ah, ça fait plaisir là. J'ai remonté. J'ai réussi à rafistoler toutes les pièces. Ah. Oh les biellettes. Allez, on va remettre deux biellettes neuves quand même. Bah. Histoire 2. Pour 30 balles en plus, on va pas s'emmerder. Si, 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 c'est la même. En off, elle est juste passée en atelier peinture. Ah, j'ai craqué, j'ai craqué. Je voulais voir en fait sur quoi je me dirigeais et voilà. La morto, alors la morto, qu'est-ce que je fais? Je remets un neuf ou pas? Moi, je dis oui, hein. On va pas se faire chier, hein. Les amortos, je me rappelle plus, on peut les acheter tout fait ou pas? On est vraiment obligé de passer par le petit outil. Non, on va être obligé de passer par le petit outil. Alors hop, on va prendre ça. Il me faut deux ressorts. Ressort avant, il m'en faut deux. Est-ce que j'ai besoin de la coupelle dessus? Il me semble, hein. Coupe, coupe, coupelle, coupelle, ouais. Deux aussi. Voilà. Allez, on va se refaire des amortos tout neufs. Ah, le grand week-end JB. Bah, profites-en bien, mon pote. Monter l'ensemble. Non, oui, monter, ouais, c'est bien. Hop, ça. Un amorto tout neuf. On va s'en refaire un petit. C'est clair, il fait beau et je suis enfermé comme un con dans mon bureau. À jouer. Bon, ça va, c'est pas le. Il pourrait y avoir pire. Non, mais là, je fais mon petit stream en fait. Juste mon petit stream du matin, je l'aime bien quand même. Ça me permet de bosser après la tête un peu vidée, quoi. C'est cool. Salut, Matt! Rotule. Normalement, ouais, j'allais dire ça, j'ai tout restauré hier, il y aura juste des roulements à remettre. Petit roulement, ça, j'en ai pas. Ouais, il m'en faut deux. Ah, j'ai pas refait les disques. Ah, cache-moyeu. Oh, on s'en fout, c'est un cache-moyeu. Ah, ça fait tâche de remettre un truc. Surtout que ça doit coûter 2 balles. Ouais, 10 crédits, c'est bon. Allez, hop, voilà. Je vais aller refaire vite fait les disques, si je peux. Je suis pas sûr, mais.
Alors, tour à frein, hop. Eh ben, ouais, vas-y. Pas de congé avant novembre. Oh, des fois, au mois de novembre, on a des belles journées, hein, pour en profiter un petit peu. Il y en a plein qui aiment pas du tout l'hiver. Moi, c'est ma saison préférée. Quand ça commence à être un peu gras dans les chemins, qu'on peut faire du VTT, de la bécane dans la bouillasse, c'est le rêve. Y a pas de mauvaise saison. Juste le seul truc qui m'emmerde, c'est quand il fait nuit à 17h. Là, j'avoue, c'est peut-être le seul truc qui me fait chier. Après, le froid, la flotte, pas trop gênant. Alors, on va remettre le disque. Un disque tout neuf. Des plaquettes. Et des plaquettes, j'en ai pas. Attends, on va s'en reprendre 4 paires. Merde, c'était là. Mes petits étriers que j'ai repeints hier. Pendant que vous n'étiez pas là. Je voulais voir si je pouvais les retaper. Je pouvais. Et du coup, j'ai refait une petite peinture dessus. C'est du plus bel effet. Alors, ça c'est pareil, c'est tout neuf. Il me faut des silent blocks et je sais pas si j'en ai des tout neufs. Non, alors je vais en reprendre. Je vais en reprendre une petite tripotée, un carton. Un carton de 10. Parce qu'il y en a partout à mettre de toute façon, on en a toujours besoin. Ah, ça j'ai pas pu la retaper, merde. Qui c'est qui nous rejoint? Ad Fossile, bienvenue! Ah, le triangle de suspension. Ah bah tu vois, des silent blocks, il m'en fallait plein. Hop. Oh, elle va être belle cette petite skyline. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de la revendre et de faire un peu de blé dessus. C'est une machine que j'ai pas payé cher dans la grange. Et ce que je ferais pour gagner encore un peu plus d'argent, c'est que je referais le moteur. L'ancien moteur. Je vais le retaper. Alors pas ce matin, hein, mais... Oh, tiens, la morto. Hein? J'ai pas refait deux amortos il y a 2 secondes? Amortisseur avant A. Putain, c'est pas le bon que j'ai fait. Oh, merde. Oups. Bah si, amortisseur avant A. J'ai fait une bêtise. J'ai dû... Attends, j'ai pas dû monter le bon. J'ai dû faire une connerie, j'ai dû monter le mauvais. Bah si. Bah là, je comprends pas, là. Démonter. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'en ai pas monté un il y a 2 secondes là? Je sais pas ce que j'ai fait. Mais j'ai dû merder. Non, c'est tout pourri ça, on s'en fout. J'ai fait des doubles triangulations, mais c'est pas normal! J'ai acheté des ressorts type A. Enfin des... Mais non, mais... Putain, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Amortisseur type A. J'ai bien acheté ça tout à l'heure. Non? Oups. Attends, ressort. Ressort avant, je vais en reprendre. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas des pièces perdues. Toujours besoin de suspension. Les coupelles. Alors, monter l'ensemble. Amortisseur type A, donc c'est le bon. Voilà.
Amortisseur type A, putain, bah, faudrait que je regarde le replay parce que ça. J'ai de la merde sur les carreaux le matin. J'ai pas mis les essuie-glaces. Bah si, amortisseur type A, je l'ai remis sur celui-là, mais j'en avais fait deux. Et putain, je viens d'en refaire deux comme un con alors que j'en avais déjà mis un. Oh là 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 là, ça va pas ce matin, ça va pas, ça va pas. Faut dormir, Bruno, faut dormir. Mine de rien, les crédits, ils commencent à descendre. Hein. Peut-être falloir que je revende un petit peu de bagnole. Oh! J'ai pas réussi à le refaire celui-là, bah non, il est rouge. Merde. Pas de problème. Bleu, ouais, assorti au moteur. J'ai rien oublié, si, une barre stabilisatrice. Qu'est-ce qui me reste? Bah, sur la partie avant, rien, parce que les roues, je pense pas, à moins que je retape des jantes. Tiens, fais voir d'ailleurs au niveau des jantes. Ah bah non, j'ai rien en fait là, il va falloir que je les démonte d'abord pour pouvoir les retaper. Je vais voir ça tout à l'heure. Il y a peut-être des jantes que je peux réutiliser là et qui me coûteront pas trop cher. Je vois les jantes classiques 11 là, ça me paraît pas trop mal. 245 40 R18, oh, ça doit être pas trop mal ça. Faut voir ce que ça donne une fois posé dessus. Ouais, si, ça peut le faire. Bon, on va voir ça. C'est quel jeu? C'est Car Mechanic Simulator 2021. Bon, on va remettre tout le berceau arrière que j'ai retapé. Du coup, c'est tout neuf. Hop. Barre stabilisatrice arrière, par contre, c'est pas neuf. On va remettre un truc. On va remettre un truc potable quand même. Voilà. Oh là 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 là, j'ai même pas un petit amorto qui va bien. Hop là, non, il m'en faut deux, Coco. Voilà. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Bon, c'est bien, ça va me faire des pièces à récupérer. Comme ça, je vais gagner un peu de crédit bleu, là. Et puis, je vais pouvoir aller... Je vais pouvoir aller améliorer mes pièces tuning plus tard. Lisière de couleur augmente-t-elle les prix de... Les pièces. Ah, les pièces de couleur. Je ne sais pas du tout. Par contre, ça, toi, ça te coûte de l'argent. Donc théoriquement, j'ai envie de dire oui. Pour compenser un petit peu, peut-être que si tu peins des pièces... Mais c'est vrai que j'ai jamais regardé Darktoon, t'as raison. Ah, il me faut des roulements, j'en ai pas. Ce serait dommage de ne pas pouvoir rouler à 300 avec parce qu'on a oublié de mettre des roulements. Bon, on va voir combien ça va cracher, hein, mais c'est pas... Merde. Ah oui, on a les cardans aussi, c'est vrai. Ah, j'ai parfait les disques arrière. On va aller les refaire vite fait. On va pas s'en racheter parce que ça commence à coûter un peu là. Coûter un peu de sous. 10 de frein, ouais, vas-y, c'est parti. Peut-être la semaine prochaine, je vous ferai un peu du Rover Mechanic Simulator aussi. Parce que le jeu sort sur console et on m'a envoyé des clés Xbox. Donc je vais les faire gagner. Tant qu'à faire.
Ou alors je fais un petit quiz, comme j'ai fait pour Car Mechanic Simulator 2021. Hop. Salut au food. Comment qu'il va au food? Bon alors là il y a du silent block à mettre un peu partout. Bah nickel. Ah non, 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 non. Attends, il m'en faut encore des silent blocks. J'en ai pas pris assez. On va racheter une dizaine encore. C'est pas pour ce que ça coûte. Eh, mais non. Attends, pourquoi... Ah non, c'est des petits silent blocks. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pareil, ça... en temps normal, j'en achète à l'appel. Alors, silent, petit silent block. Je vais en prendre une dizaine aussi. Parce que chaque fois qu'on a une réparation de bagnole, à chaque fois on a ces trucs-là à changer. Voilà. D'ailleurs, il pourrait nous faire un petit prix de gros. Hein. Bah si, Darktoon, quand je les achète, regarde. Attends. Quand je les achète, tu choisis ici la quantité. Par contre, tu vois, j'ai 15% de remise. Je sais pas si je monte à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, ça reste à 15%. Parce que j'ai débloqué les compétences pour avoir des pourcentages en fait de remise. Mais ça va pas plus loin. Salut Aventi. Embauche une secrétaire pour garder les stocks. C'est vrai qu'au bout d'un moment dans le jeu, à force de démonter des bagnoles et de récupérer des pièces, de les rénover, t'as quand même un beau garde-manger derrière. Ah, j'ai pas repris de ressort à l'arrière. Attends. Ressort arrière, on va s'en reprendre deux. Ouais, c'est ça. Tu fais 50 clics. Tu peux pas mettre plus 10 par exemple, c'est dommage. Merde, il me faut des coupelles aussi. J'ai pas pu les restaurer. Dommage. Bon, c'est pas grave, ça ira en destruction. Ça me fera des points. Bah là on n'est pas trop mal de ce côté là, on va... Ah, le réservoir de carburant, merde, il fallait que je le restaure, exact. Je vais aller voir si je peux le faire après. Là on est bon. Enfin, je crois, s'il n'y a pas un silent block qui traîne encore à poser, on va voir. Ouais, s'il y en a un là. Non, ça a l'air pas mal. Peut-être reposer ça aussi tant qu'on y est. On va aller mettre les freins et puis ça va être bon, on va pouvoir retaper les roues. Alors pas tout de suite les roues, je vais aller voir si je peux restaurer le réservoir d'abord. Je crois pas, hein. Je crois que les réservoirs on peut pas les retoquer. Non, merde, c'est dommage. Bon, je vais peut-être en racheter un quand même. Balles. Commence à piquer un peu quand même. Hein.
ma pompe à carburant tuning qu'on avait acheté hier. Bon alors dans les pneus, attends, on va... Est-ce qu'on peut... Je me rappelle plus aussi, est-ce qu'on peut restaurer les jantes? Alors attends, monter, on va se prendre les classiques 11 là. Ouais, classique 11, on va démonter celle-là. Je vais voir si je peux les retaper. Alors, classique 11, hop. Ouais, les jantes, on peut se les refaire. Bon, ouais, elles vont y passer. On peut leur faire une petite peinture aussi ou pas? Ça pourrait être sympa. Classique 11. J'espère qu'elles ont toutes la même taille d'ailleurs, parce que je n'ai pas trop regardé. Mais... Oh si, j'avais dû reprendre ça sur une bagnole. Oh bordel de merde. Celle-là, elle est un peu ravagée quand même. Hein. Tu peins jamais les pièces. Alors. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Ouais. Bah c'est nickel tout ça. Bon, on va aller voir vite fait à l'atelier peinture si on peut foutre un coup de peinture là-dessus. Bon, ma bagnole est jaune et jaune orange et grise. Est-ce qu'on va pouvoir peindre des pièces? Peindre des pièces. Alors, ouais, on peut. Alors, c'est lesquelles? C'est celle-là, non? Les... Oh bordel, putain, j'ai un sacré stock de jantes en fait. Ça va être les classiques 11. Ouais, celle-là. Comment je les mets? Vert, mais quelle horreur! Je les mets en bleu? Salut Stranger! En bleu, bleu quoi? Bleu caméléon. Bon, tu parles de caméléon, mon cul, oui. Je suis pas sûr que ce soit très très bon de peindre l'intérieur de la jante comme ça, hein, mais bon. Rose. Oh. Sinon, plus simple. Un petit noir. Gris noir. Mat. Chrome. Métallisé. Oh, le mat, j'aime pas. Ça fait vraiment. Ça a l'impression qu'il manque quelque chose quand même. Nacré. Caméléon, j'aime bien en fait les reflets que ça fait. Allez go, ouais, noir, ça me paraît pas trop mal. Noir c'est bien, ça passe partout. Alors, il faut que je les retrouve. Jante classique, ouais, c'est celle-là. Tac. Donc caméléon, c'est cette couleur-là. Dommage qu'on puisse pas les mettre avec une texture carbone. Enfin, je dis ça en fait. Ça se trouve, on peut. Eh ben non, on peut pas. Dommage. Jante carbone, ce serait joli. Où sont mes jantes? Elles sont là. Hop. Chrome aussi, ça claque, ouais. J'avoue. Alors, hop. La petite dernière. Faut juste que je remette bah, les bons pneus. Et moi, avec ma mémoire de poisson rouge, quand je veux acheter, hop là, quand je veux acheter des pneus, je regarde la jante, je vais au magasin de pneus et je prends pas le bon modèle. Toujours. Je vais regarder ce que j'ai. Non, on va pas mettre ça. Non, ça va pas, non. Pour
Donc ouais, elles sont pas bien classées là, mes jantes. Donc c'est du 18, on a dit. Alors attends, qu'est-ce qu'on monte d'origine là-dessus? 245, 40, R18. Bah, en fait, c'était déjà ces roues. C'est où le magasin de pneus? Donc 245, 40, R18, qu'est-ce qu'on lui met comme pneu? Du slick? Pneu vintage. Oh, c'est pas terrible quand même. Pneu tout terrain. Bon, on va mettre juste des pneus de course de base, hein. J'ai pas envie de claquer trop de pognon, surtout que c'est un truc que je vais vendre. Alors, il m'en faut 4 en R18, 245 on a dit. Profil 30. Putain, 3000 balles! Quoi? Je me suis gouré. Ah, ouf, j'ai eu peur. Ouais. Pas de mode sur ce jeu. Si, il y a un workshop, mais je m'en sers pas. Il y a déjà tellement de possibilités. Et puis le workshop, en fait, c'est que pour les voitures. Bah attends, déjà, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais tous les monter, je vais les mettre à l'équilibrage après. Elles sont belles en noir comme ça, avec des pneus tout neufs. On aurait pu mettre un peu plus gros, hein, Venti, hein. Rappelle-toi le Duster. Il était monté. Il était bien burné, on va dire, à la fin, à l'arrivée. Hein. Les roues, elles dépassaient de 30 cm sur le côté. Ah, peut-être pas, mais bon, tu vois le truc. Il était monté comme un âne, le truc. Qu'est-ce qui m'énerve ce mini-jeu? C'est digne, c'est pour un enfant de 8 ans ou quoi? Comme si on savait pas tourner le truc. Le Duster était abusé, oh. Non, il n'y a pas d'intérêt sur le déport. Ah, toc, allez, vas-y. Bon, Titine, j'espère que j'ai pas oublié des pièces. Ah si, il y avait le module ABS qui m'a demandé hier. Il voulait pas que je parte sur la piste sans les freins. C'est à peu près logique jusque-là. Peut-être lui remettre des phares aussi. Je lui ai laissé hein, tout ce qui est les phares et globalement la carrosserie, elle était à peu près en bon état. J'ai juste fait un peu de restauration sur la carrosserie, tout ce qui est phares et vitres. Je crois qu'on est à 80% d'usure, donc je vais les laisser aussi, hein. Je vais pas en racheter. Hop là, non, c'était pas ça que je veux mettre. Voilà, bon. Elle est chaussée, normalement elle peut aller sur la piste là. On va la redescendre, on va regarder le module ABS, le fameux module ABS, qui doit être... il est où ce con? Ah oui tiens, attends, on va le démonter. Je crois qu'on peut le retaper ça. Ouais. Ok. Et il manque un autre truc avec le module ABS. Bah, tu peux, hein. Tant que ta bagnole peut freiner, si tu veux enlever le capot et aller sur la route, normalement, il me semble que tu peux.
le module ABS tout neuf, et il me manque, c'est quoi, la pompe ABS? Non, non, c'est la pompe que j'ai remis et le module. J'en ai pas un qui traîne? Même pas. Ah là là. Module ABS, module ABS. Hop. Voilà. Tiens, au passage, hop, il y en a un qui avait été oublié. Ah bah un deuxième même. J'ai tendance à les oublier ceux-là. C'est comme le démarreur. Ah, le démarreur, il est là. Pour une fois, il est là. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, attends, il y a un moyen de le savoir, hein. Qu'est-ce qui est manquant? Les phares. Ah, il y a encore des silent blocks. Des clips sur la boîte à air. Support de boîte à fusible. Ah. Ah, il me manque encore quelques trucs. Ah, un filtre à air aussi, c'est vrai. Faut qu'on mette un filtre à air tuning, les gars, dessus. Mais ils sont où ces silent blocks là? Où est-ce que je les ai oubliés, ces cons? Attends. Ah, au fond. En effet. Quoi? Je peux pas les mettre? Mode montage, si. Quand je vous dis qu'il faut les acheter par paquet de 10, les silent blocks, on en a plein à foutre sur une bagnole. Alors, donc après, il restait la boîte à air et boîte à fusible. Qu'est-ce qu'il y avait sur la boîte à fusible? Il n'y a rien. Support de boîte à... Il n'y avait pas un support? Notre boîtier de filtre à air, normalement, il avait été retapé. Il nous faut un filtre à air tuning. Oh non, je ne vais pas remettre ça, c'est moche. Boutique, non, pas tuning de carrosserie, tuning. Voilà, plus un petit pourcent. Hop. Un couvercle et les petits clips. Oh, c'est pas vrai qu'il en faut 4 et que je vais me prendre des pénalités juste parce que j'ai pas de clips tout neuf. Qu'est-ce que c'est con ça? Un bout de métal, un chewing-gum, n'importe quoi, ça suffit. 9 crédits pour ça. C'est du vol. Ça coûte 1 crédit ça. Bon, et là, il manque quoi? Support de boîte à fusible A. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce qu'il voit un support de boîte à fusible? Je comprends pas. Lui. Et puis je peux pas le pointer en plus. Couvercle, non, on s'en fout. Je sais pas ce qui me fait chier avec son support de boîte à fusible. Bah, il est là le support. Il veut que je le retape peut-être. C'est vrai qu'il est dans un sale état, mais bon, pff, oh, on s'en fout. Merde, qu'est-ce que je fais comme connerie? Hop là. Bon, allez hop, c'est bon, c'est fermé. Un phare. Et je vais pas mettre un phare tuning, je vais mettre juste un phare tout con. Oula, attends. Elle est où? Starline, hop. 600 balles. Aïe. Voilà. Et normalement, il en manque un à l'arrière. Il est là. Et c'est tout. Je sais pas si je vais gagner beaucoup d'argent là-dedans. ta trottinette. Qu'est-ce qu'elle a, ta trottinette? Vas-y, amène-la. Amène-la à la concession. Bon, normalement, c'est bon. Enfin, je crois. On va juste faire un truc. C'est, on va l'emmener sur le banc. Attends, déplacer la bagnole. Il y a le banc d'essai. Ouais, c'est ça qu'il me faut.
Alors, parallélisme. Ajustement des phares. Ça, c'est un truc que je fais jamais dans le jeu. Ajuster les phares. Aligner le faisceau lumineux sur la zone indiquée. Bah, j'y suis là sur la zone. Ah, ça y est. Hop. Ok. Y a autre chose à faire ici. Ah, je suis tombé dans la fosse. Banc d'essai. Ouais. Allez, vas-y. Ah, normalement, tout est neuf. Hein. Les freins à mortaux, tout est neuf. Hein. Voilà, tout est à 100%. Normalement, on peut y aller. Salut Navarost. Bah, on va aller sur la piste. Hein. On va aller regarder tout ça. Alors, attends, il y a quand même un truc qui m'intrigue. C'est combien de chevaux elle fait. Je suis sûr qu'elle fait moins que le Duster. Donc, on était à 287 chevaux d'origine. Verdict. 423 chevaux. Putain, fait moins que le Duster. Oh, la honte. La honte. Avec un 6 cylindres en plus. C'est pas possible, quoi, de sortir que 400 chevaux. Bon, on va aller regarder vite fait sur... sur la piste, là. C'est pas possible. Conduire la voiture. Ah, merde, j'ai oublié de mettre un truc dedans. Je savais bien. C'était obligé, de toute façon. Qu'est-ce qui manque? Ah oui. On va avoir du mal à tourner le volant si on met pas de liquide. Salut 28.05 3 fois. Hop. Bon. Eh, dis-moi qu'on peut y aller là parce que... je commence à désespérer avec cette bagnole quand même. Ouais. Piste d'essai, oui. Piste de course, piste d'essai. Non, piste de course. Non. Là, c'était ça. À notre vitesse. C'est parti. Ah, ça pousse. La vache. Elle pousse beaucoup plus que le Duster, quand même. Hein. La vache. Oh, la cochonne. Oh, reviens. Le Duster, il montait à 290 hein, sur la note vitesse. Hein. On va voir. Ah, ça a l'air d'être... ça a l'air d'être bien, quand même. Ah, non. Je bloque 250. Il faudrait que je modifie les rapports, mais je crois que comme c'est pas une boîte tuning, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Ouh, putain. Eh. Ouf, ouf, ouf. Bon, bah, c'est bon, faut qu'elle reparte au garage. Putain, elle fait un bruit de merde. C'est incontrôlable.
Bon, c'est bien rigolo tout ça, mais on peut pas vraiment modifier la boîte de vitesse. Ce serait bien qu'on puisse essayer de taper le 300 avec quand même. Ah bah, elle est revenue au bon endroit. Mais là, il va me dire, non, vous n'avez pas une boîte tuning. Eh bah ouais. Donc 250, vitesse max. Et zub, on peut rien faire avec. C'est de la merde. À vendre. Combien que je peux revendre ça? Bénéfice à la vente. Ah, quand même. 55 000 balles. Ouais, allez. Ciao. Je vais récupérer un peu mes thunes là parce que voilà, 142 000 crédits. Bon, je vous fais une petite piqûre de rappel ou pas? C'est du food. Petite piqûre de rappel, les gars. Le Duster, c'était ça. Ah oui, on avait modifié la boîte. Ouais, bon, sinon il prend 280 passés. Hein. Il était beau quand même, hein, ce Duster. Oh là 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 là. Mais quelle beauté! Avec les pneus pistes. Le Duster F1, mais il est énorme. Mais celui-là, je peux pas le revendre. Il est. Non. Non, 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 c'est pas possible. Go dans l'inventaire, mais c'est clair, là, va falloir que je revende tout, quoi, en fait. Bon, prochaine voiture. Qu'est-ce qu'on va se faire? J'en ai, hein, j'en ai dans le parking. Hein. Carte, parking. J'ai des merdes, hein. Ça, j'aimerais bien me la refaire. Alors, elle est belle en photo, là, mais je sais pas dans quel état elle est. Je sais même pas où est-ce que j'ai trouvé ce truc-là, en fait. Ça, j'aimerais bien me la refaire aussi. Et ça, c'est ma petite voiture perso pour tous les jours. J'y ai pas touché. 326 chevaux. Faudra peut-être que j'y touche quand même. Bon, je sais pas. J'hésite entre celle-là et celle-là. Laquelle vous préférez, vous? Plutôt la grosse américaine ou la japonaise? Un 4x4? J'ai pas de 4x4 off-road. J'en ai plus. Ah si, elle est en 4 roues motrices celle-là, mais j'ai plus de, enfin, de 4x4 surélevé. 300 chevaux hein, quand même déjà d'origine celle-là. 300 chevaux aussi celle-là. Mais alors pas avec le même régime. Hein. 300 chevaux à 4500. L'américaine? La V8? Bon bah c'est parti. Hop, on l'amène au garage. Alors dans quel état va être? J'ai un peu peur. Oh! Eh hey. Putain, mais elle est belle! Où est-ce que j'ai acheté ça, moi? Vente aux enchères. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'elle est belle. Alors attends, elle est belle, mais juste pour savoir. Elle marche ou pas? Elle est déjà en état? D'accord, il n'y a pas d'huile. Bon, ça commence bien. Attends, on va voir. On va lui mettre de l'huile. Mais de l'huile. C'est où qu'on met de l'huile là-dedans? Il est où le bouchon? Il est là. Dans 2 secondes, il va me dire, mais non, mais il manque autre chose. Salut DJ Nico. Moteur d'homme, exactement. Oh putain, ça déborde. Oh là 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 là. Bon. On démarre ou on démarre pas? Ah! Eh hey. J'ai pas acheté de la merde. Ça démarre. C'est déjà ça. Bah du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Bah ça va quoi. On va faire une grosse analyse. Et puis on va la tuner. On va la tuner comme un gros porc. Je pense que c'était une bonne affaire. Je sais pas combien je l'ai acheté. 20, attends. 22 000 balles? Non, prix d'achat 29 000.
Juste parce que j'ai remis de l'huile, je peux déjà la vendre 1000 balles de plus. Parce qu'au moins elle démarre. Bon. On va la mettre. Hop, on va la mettre sur le petit pont élévateur B. On va la mettre en attente, tranquille. Même les pneus sont beaux. Tout est bon sur cette bagnole. Franchement, c'était une belle affaire. Je vais la dépouiller. Je vais mettre toutes les pièces que je peux retaper dans l'atelier. Je vais les refaire. Comme ça, je vais rien dépenser. Ou très très peu. Et dans l'idée, je vais la revendre celle-là aussi. Je vais la refaire, la tuner et la revendre. À moins qu'elle soit très très belle. Je sais pas les pièces. Qu'est-ce qu'on a en pièces tuning dessus? Attends, je refais voir. Attends, je vais prendre n'importe quoi. Pare-choc avant. Non, on va aller. Hop là. On va aller dans le magasin de carrosserie tuning. Bon, on n'a pas grand-chose en fait. On a des phares arrière, phares avant et les ailes. Et un capot. Bon. Ouais. Bénéf, 30 000 balles sur celle-là, tu penses? Elle est déjà pas abîmée, hein. Elle est propre, hein. Mais bon, pour faire de l'argent facile, c'est pas mal. Puis bien sûr, on ira essayer ça sur piste. Double ligne d'échappement, double carburateur. Ça va péter le feu, je te dis, ce truc-là. Bon, allez, redescends. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça se vend 50 000. Mais c'est pas cher. 50 000 balles. Mais ça fait. Ça va pas me faire un gros bénéf, hein, 50 000. Hein. Bon, on va voir. On lui mettra 2-3 petites pièces tuning. De toute façon, y en a. Au moins le. Alors, les phares, je m'en fous un peu. Mais au moins le capot. Au moins le capot avec une belle ouverture dessus. On verra si on peut lui rajouter des petits accessoires. Je suis pas sûr. Mais on va voir ça. Et puis une belle peinture, quand même, parce que bon, elle est belle comme ça déjà. Mais je suis sûr qu'on a plus beau. Allez, petite sauvegarde. Et je vais vous laisser là-dessus, les gars. Oh, c'était un petit live, hein, même pas 1 heure ce matin. Mais bon, j'ai un peu de taf là, et puis. Enfin, un peu beaucoup. Et puis j'ai des jeux à tester encore. Encore et encore et encore. Ah, oh, j'en ai reçu 3 dans la nuit là. La Pologne, ils dorment pas, hein. Ils envoient des clés de jeu. Les jeux sont en train de télécharger là en arrière-plan, mais. Ouais, à plus Darktoon, à plus tout le monde. Passez une bonne journée et puis bon, peut-être sur l'heure de midi, on verra, sur un malentendu, on pourrait se retrouver encore en live. C'est pas sûr. Allez, à tout à l'heure les gars, à plus tard. Ciao!